Ok, maintenant, on va devoir faire lui. Il y a son histoire. Mais d'abord, il va falloir hacker. Donc, on va devoir prendre elle pour hacker. Pour pirater. Donc, on va prendre elle. Mais théoriquement, ça va aller très vite. Théoriquement, ça va aller très très vite. Enfin, je prends ça, mais j'en ai pas besoin. Enfin, oui et non. On va juste en profiter pour hacker le terminal, pirater le terminal qui s'occupe du portail et bon après il y a d'autres portes, il y a d'autres portes à pirater, mais j'ai pas envie de passer mon temps à pirater tout autour de la base parce que c'est chiant et long. Donc on va juste tracer. Attention, en raison de... dangereuse. On va utiliser un peu les neuromodes parce que pourquoi pas. Mobilité. Attaque furtive. Non, on va prendre encore mobilité. Voilà. Et à l'intérieur jusqu'à résolution du problème. Let's go! Comme elle court vite. Alors il faut aller au labo, c'est là-bas. Par contre, un truc que je regrette, on aurait pu one shot le requin avec les tours, mais vu que putain, mais comme elle est rapide, vu que le requin est bloqué derrière le décor, bah voilà, ça marche pas quoi. Passé l'arme. Vous avez déjà passé l'arme à gauche. Faiblesse, les hommes en uniforme, immunité, se faire attraper. Résistance, pourquoi résister? Ouais, elle c'est l'agent secret, infiltration, donc elle est très bon en furtif et en déplacement. C'est plutôt sympa. Il y a un truc aussi. C'est pas là.
portail mimique fait. Alors, utiliser module d'évacuation pour la puce L. On va faire installer la puce de navigation module. On va faire ça, L. Oula, 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 ça c'est un mur, ça c'est un mur. Voilà, ça c'est facile. En moins de 10 minutes, hop. J'imagine qu'en mode classique, tuer sa femme en mode monstre de 10 mètres. Bah en fait non, c'est facile. Parce que... on a énormément de munitions grâce aux araignées. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Quand elle, elle fait apparaître des araignées, on peut les one-shot en les écrasant. Et ça donne des ressources, des balles, des soins. Donc ça rend la chose ultra facile. C'est là. Ouais, c'est quartier de l'équipage ou les cratères? Oui, mais cratères, ça ne dit rien. Ah non, c'est là. Après le moment avec Hoffman, le sniper, ça aide. Tu peux écraser de base sans habilité, oui. Merde, maintenant j'ai un doute. Ah, merci, tu viens de me mettre un doute. Mais normalement, oui. Pour les araignées, ça marche. Après, pour tout ce qui est zombie, tout ça, il faut l'habilité. Ouais. Et en plus, ce qui est con, c'est que t'es invincible quand tu écrases. C'est très très con. Bonjour, Piteas. Demain soir, la cafétéria vous propose un menu Schrödinger. Le chef Crosby invite les gourmets à découvrir les goûts et textures de la gastronomie moléculaire sur la Lune. Après, avec Hoffman, c'est le sniper qui aide. Des monstres meurent en une balle, ça aide. Ouais, c'est un peu bébête d'être complètement invincible avec cette animation. En fait, ça sert quasiment à rien qu'elle nous attaque avec ses araignées. Ça nous aide plus qu'autre chose. Mais je crois que c'était la façon, on va dire, la façon aux développeurs de faire en sorte que le joueur ne soit pas bloqué. Je pense que c'est ça. Parce que vu qu'on peut pas faire marche arrière... comme elle est rapide. J'adore sa vitesse. Ah, la puce. Oh. Yeah. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on passe directement à la dernière. Dernière mission. Euh,
Lui par contre je vais peut-être acheter des neuromodes un peu. Ouais, 5. Let's go. Ah mon dieu, il y a Goldo encore. Là, c'est la fin. Dernière mission, Goldo. Bah, j'aurais pu faire le tour de la base. Comme j'ai dit, il y a des ordinateurs à hacker, des portes à hacker pour les ouvrir. Mais bon, j'ai pas envie. En fait, je veux juste faire la mission du mec, là. Attention, en raison du... Je voulais vraiment en finir avec ça. Loto, hop, hop, hop. On va mettre les neuromodes. Respiratoire et restez à l'intérieur jusqu'à résolution du problème. Ok, let's go. Ah, je l'ai pas mis le Artax là, le... Ah merde, ah, j'étais con. Le propulseur, je savais que j'étais allé trop vite. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller sans. T'es sérieux, Goldo? Enfin, on peut en fabriquer un, hein, de toute façon on peut en crafter. Hein. Ça fout un peu les boules de rien voir comme ça. Oh. Trouver le bloc mémorial. Mémorial. Pam, 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 pam. Elle est chiante cette porte. Bonjour. Bonjour. C'est très important. D'accord, papa? Tu dois faire quelque chose pour moi. Pour nous. Pour que nous nous retrouvions. C'est ce que tu veux. Tu dois retrouver mon jouet. Tu as oublié mon anniversaire. Tu en as manqué de temps. Je pense tout le temps à toi. Et à mon jeu. N'oublie pas, c'est ce que tu veux. Trouve mon jeu. Quoi?
C'est quoi ce foutage de gueule, corruption niveau 4? Trouver le jouet d'Alex, ok. Oh putain, d'Alexis. C'est quoi cette blague? Bah, tout le monde est mort normalement. Falloir monter. Est-ce qu'ils vont m'attaquer? Ok, 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 ils ont l'air d'être d'être passifs. Je suis alors pas du tout rassuré par contre. On est d'accord. Bon, j'ai des pouvoirs, j'ai un régène, j'ai de la vie, y a pas de... Logiquement, il devrait pas avoir de problème. Il y a un poltergeist quelque part. Bizarre. Ah ouais, là, le jeu, il essaye vraiment de me la mettre profonde, là, par contre. Mais je pense que c'est parce qu'on est contrôlé par le télépathe. Et du coup, enfin, je sais pas trop comment ça se passe. C'est bizarre. Peut-être pour nous presser. Ah, merde. Quoi? Oh non. Le bon vieux Alt F4. Je sais pas si ça a marché. Moi, il y avait les bestioles, là, les boules qui étaient dangereuses. Donc, pour moi, elles sont méchantes. Hein. Mais apparemment, ça a fait rater la mission. En fait, faut passer, faut toucher personne. En fait, je crois qu'il faut pas attaquer les typhons. Les typhoons. Faut pas les attaquer. Mais bon, on fait chier quoi.
Ouais, là on est complètement contrôlé par un télépathe, donc on est considéré plus ou moins comme un typhoon. Mais je crois pas qu'il y avait écrit attention, ne pas les toucher, sinon mission échec. Parce que là, ça me ferait chier de tout recommencer. De réinitialiser en fait le truc. J'espère que ça n'a pas sauvegardé. Sinon, bah, on arrêtera là et on changera pour Hunt Showdown. Mais ça me ferait un peu chier. Je pense pas que c'est sauvegardé directement. Yes. Yes! Le bon vieux Alt F4! Le flingue, il est HS, tu te fous de ma gueule. C'est horrible ce bordel. C'est bien parce que j'ai choisi le moment. Oh mon dieu, c'est quoi cette guerre? J'ai vraiment choisi le moment parfait où c'est que j'ai pas mon boost pour sprinter en fait. C'est bien ça. Oh putain. Mais eux, je peux les attaquer ou pas? Allez, passe! Ah! Tu l'as trouvé, mon jouet. Emporte-le dans le vaisseau. Là, on est tellement en train de faire un truc mauvais, genre on place un œuf, je sais pas, un œuf de Typhoon dans un module et on l'envoie sur Terre, un truc comme ça. C'est tellement ça, mais c'est tellement ça. C'est obligé. Faut aller au laboratoire. Elle est où la sortie? Ne brûle pas, toi. C'est quoi ces trucs? Pourquoi ça explose à chaque fois? Le bon vieux Alt F4 qui sauve. Mais ça va, c'est vrai que le DLC au final il est bien parce que il en rajoute hein, quand même hein, par rapport à l'histoire principale du jeu. On en apprend pas mal. Celui-là vient de me désapprendre. Qu'est-ce que ça dit? Ah non, mais ça c'est le Poltergeist. Par contre, le niveau de corruption, il monte très très lentement. Oh putain, mais même ça, ça attaque! Ah vache! Je suis un typhoon, merde! Enfin...
moitié taille. Ah! Allô. Ah, le faire tomber. Une poupée russe que vous comptez offrir à votre fils, Alexis. Lorsque vous rentrerez sur Terre. Putain, j'arrive plus à parler. Il sera content, ce que vous voulez. J'aime bien qu'ils arrêtent pas de dire c'est ce que vous voulez. Pas ça. Mettre le jouet d'accès dans le module d'évacuation et lancer-le. Ah! Mais faut qu'on se mette dedans ou pas? Bah oui, mais on peut pas le faire sans l'envoyer en fait. Oh, papa, je serais si heureux avec mon jouet. Ouais, c'est ça. Je suis si fier de toi. Si fier de toi. Si fier de toi, papa. Le télépathe qui vous contrôlait a fait exploser votre tête. En gros, j'avais pas besoin de hacker et tout ça. C'est énorme. Oh la vache. C'est bête, je voulais savoir ce que c'était, moi, le jouet. Peter, je dois faire vite. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Il vous reste peu de temps, alors bonne chance. Peter, nous nous parlons pour la première fois. Je suis le commandant de Casma Corp. C'est moi qui supervise votre unité. Basilisk est sous mes ordres. Vous avez effectué un travail remarquable. Merci. Malheureusement, notre budget est trop serré. Nous n'avons pas les moyens d'aller vous chercher. Nous comptons toutefois honorer votre contrat en envoyant votre prime de réalisation à votre famille. Merci encore, Peter. Nous ferons vite. Ah! Je sais ce qu'il faut faire. Yes! Ah, il y a la réserve aussi. Oh putain, dépêche. Ça. Yes, parfait. Très bien, le casque. Le casque, c'est important. Moi, je le faisais sans. Hein. Ok. Tout système opérationnel, ok. Connexion. Manœuvre orbitale, manœuvre d'urgence uniquement, interception de terre, plateforme spatiale Casma lancée.
La désaffectation lunaire. Trajectoire Terre. On rentre en Terre. On rentre dans la Terre. Enfin, quoique c'est peut-être une mauvaise idée. Parce qu'il y a plein de... C'était peut-être une très mauvaise idée. Ok, plateforme. Ça va être aussi pas... Pas assez, peut-être. Désaffecté! Cette opération est irréversible. Oui. Ah ben là on va aller sur la lune en fait. Ouais. Impact lune. Impact lunaire mortel imminent. Oups. Pas mort. La chose intéressante, c'est que le mec, il a fait tellement de simulations qu'il connaît, bien l'endroit. Et voilà, il va dans le dôme. Il faut y arriver après. Ah, la navette. Qu'est-ce qu'il faut? Je joue là ou pas? Non, je joue pas. Oh! Bravo! Bravo Bethesda! Et Arkane Studio. Très bon DLC. Très bon DLC. Il dure super longtemps en plus. Il faut un peu apprendre comment ça marche. Et les ficelles pour y arriver. Oh, pourquoi il y en a plusieurs? Succès déverrouillé. On peut voir ce que ça fait maintenant si on fait continuer. Microgravité détectée. Ah, ça mimique. Condition atmosphérique dangereuse. Ok, on arrive à là. Bon, bah on a fini. Yeah, on a fini le DLC, cool. Très très bon DLC. Très très bon DLC. Et ça nous donne un peu d'histoire en plus par rapport à l'histoire principale du jeu, donc ça c'est franchement bien. Franchement cool. Bah voilà.